Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est SNGRS, Service National de Gestion des Résidus Solides. Moi-même, en tant que directrice opération, je suis obligé là avec l'équipe là. Nous avons une flotte et qui est dans la rue, qui a une flotte là, ça veut dire nous avons l'odeur à la tête li avec quelques bascules. Nous avons un Wolof qui accompagne nous pour nous capables de faire ça. Et que c'est vrai qu'il y a un problème, mais je ne dis à SNGRS, tout le monde a une mission, c'est lever fatra, mounio, à manger, à produire fatra, faut que nous lever fatra. Actuellement, nous gérons la bataille, nous pouvons continuer pour nous aller, boire et vis, pour nous aller chan masse, pour nous gagner près de compressif tout qui est dans la rue. Nous avons compressif actuellement qui est à l'échange masse parce que travailleurs et que nous ne sommes pas jeunes tout à temps, mais nous commençons la journée comme ça et que de temps en temps, nous mettons l'autre compressif yo. Et dans la route, puis il y a le circuit pour nous capables de lever fatra dans le pays. La mission, nous, c'est lever fatra chaque jour. Mais étant donné que nous connaissons un problème dans le pays et que nous disons qu'il faut sortir, nous féliciter la police qui accompagne nous, responsable Gérald Bataille là, ensuite qui ensemble avec nous pour nous faire travail là. Parce que c'est une institution de l'État et que nous connaissons une mission, nous, c'est lever fatra, c'est faire quoi les caïmounio, nous avons fait travail là. Circuit officiel, circuit. Et Gérald Bataille, gen côté pile fatra, gen fatra pour flotte, gen fatra pour compressif. Nous passons par Bois Vena pour nous descendre Chan Bas, nous passons par Canapé Vert pour nous descendre, pour aboutir Chan Bas encore, avec gen plusieurs circuits. Par rapport à nombre de compressifs là, et que nous connaissons un nombre de circuits pour nous faire. Ensuite, gen de pile fatra, ensuite c'est flotte qui pour prendre pour nous capables de gérer ça. Nous avons exactement ce que ça nous a fait. Mais l'important pour nous gagner plus de matériel, tout autant gagner plus de matériel et que nous lever plus de fatra. Pour SNGRS couvrir tout le pays a, et que ce service national de gestion des résidus solides, nous avons une équipe qui est au CAI, au CAP, qui est presque dans tout le pays. A. Mais on connaît les zones métropolitaines qui ça veut dire. Et que Port-au-Prince, c'est comme si la République Port-au-Prince les produit plus de fatra. Tant que les gens la donnent, ils produisent plus de fatra. C'est ça fait travail ça. Nous n'avons pas qu'à faire deux jours pour nous pas lever. Déchets, il faut qu'ils lèvent des déchets. Et puis, pour nous entrer dans la base, nous avons pour nous avec mairie tout pour nous établir un agenda avec eux, pour nous capables d'organiser ça. C'est important parce que là, pour un secteur, ça est transversal, parce que c'est important pour éduquer les gens, pour sensibiliser eux, pour dire que si on fait trois jours avec Fatra Lakayo, il faut que nous baissions ça cher, et puis pour nous venir prendre tout, pour nous gagner matériel, pour nous capables d'organiser nous pour nous prendre. Actuellement, c'est un enlèvement à faire. Et que dans ce moment, on a parti, on a fait collecte là pour nous arranger. C'est SNGRS, Service National de Gestion des Résidus Solides. Je vous ai dit que la réalité, ça l'empile que nous avons levé des déchets. Et que les nous arrivons à Chanmas, nous jouons l'équipe Port-au-Prince là et que nous faisons seul. Comme c'est comme ça qu'on a habitué de travailler. Nous travaillons, nous faisons un agenda en commun avec un compressif, lui-même, il vient avec une flotte. Et que deux, trois camions avec l'odeur, nous tout profiter. Font travail ensemble pour nous avancer. SNGRS toujours chita avec l'équipe Meria parce que, bon question de matériel, bon question de ressources humaines, tout, nous toujours travaillons ensemble avec nous parce que Fatra, on est gens techniques, c'est pas en être levé, en être pour matériel à lever Fatra. Bon travail technique pour faire, bon travail de planification pour faire. C'est ça fait journée aujourd'hui, ouais, SNGRS, ensuite Mairie Port-au-Prince, qui sont communes qui ont un pile problème. Et je connais qu'il y a une volonté pour ça. Nous continuons de travailler dans ce maintenant pour nous bailler plus rapidement avec la population. Dans le souci pour permettre que nous aider Port-au-Prince, nous permettre que dans l'attribution de nous, magistrat Luxe en janvier avec toute l'équipe voiria. Et personnellement, moi-même, Jean Gardi, qui a entamé toute opération avec direction domaine, toute équipe voiria net. Et je dis à ne pas c'était souci, peut-être Port-au-Prince est tellement sale. Dans peut-être petit moment et grève qui dégagne, je pense que nous démarrons vaste opération qui commence depuis sous boulevard. Et nous passons là, actuellement là, nous venons propter avenue Boubla, nous propter toute la lutte, tout Bois Verna. Et nous allons continuer Canapé Vert pour nous descendre sous Grand Rue pour permettre que demain matin, le peuple a vécu à l'occupation, nous avons Port-au-Prince qui est propre. Et tant que j'en dis, et souci pour nous travailler, souci pour nous avancer avec Port-au-Prince, ce n'est pas un souci qui est toujours facile parce que avec question et mentalité sociale haïtienne sur question des déchets, je pense que nous-mêmes dans la mairie Port-au-Prince, avec toute équipe et cap avancé, on a
fait tout effort qui possible avec la quantité matérielle disponible que nous avons pour permettre que nous rendre Port-au-Prince vivable et en forme. Et je pense que ça, c'est souci Maïsra Luxon, toute équipe communale là. Et je pense que c'est souci peut-être gouvernement qui investit à travers Méria, peut-être Jodia, pour peut-être nous avancer dans la question Vatra. Et nous pensons que avec venu Maïsra Luxon, nous pensons que jusqu'à présent, nous n'avons pas avancé avec le peu de matériel que nous avons. Nous avons une flotte là qui a toujours été opérationnelle. Côté nous avons un petit problème de camion qui a un petit problème que très bientôt que Maïsra promet que la résoudre. Ainsi que certains compressifs, même parce que avec ça, nous avons parce que nous n'avons pas avancé pour permettre que Port-au-Prince soit bel. La phase nuée, c'est la phase d'envoi documents par les groupes organisés, société civile et personnalités. Chacun du 2 jusqu'au 22 février pour qu'après agir sur eux. C'est-à-dire capable de voir nous des mémoires avec des modifications, des propositions, des corrections. Et n'a pas organisé plusieurs séries de rencontres pour nous capable de recevoir. On a fait des séances en live sur Facebook, Zoom et l'autre plateforme. Et puis on a fait des rencontres en présentiel et notamment des assises au niveau département. Donc, nous avons deux assises, nous prévoyons là, après nous remettre le premier draft là, qui a commencé comme ça? Et, bon, on a fait un gros lancement le 10 février, qui a lancé assises au niveau département. Donc, on a fait après ça, on a gagné des assises très rapprochées parce qu'on a fait plusieurs équipes et bien ça qui travaille. Nous n'avons pas fait le même jour, mais à un jour de décalage. Donc, il y a un bail qui attire l'attention à tout le monde dans le draft que nous présentons. C'est le chapitre nous traiter de jeunesse là. Côté de baisser l'âge d'accès aux fonctions électives à 25 ans. Vous êtes plus clair sur ça pour nous? Il y a des jeunes qui est impliqué très dans la politique. Et notamment, alors, l'âge là, il est augmenté pour président parce que c'est quand même une responsabilité assez importante. Mais même pour l'autre portion, au fond, c'est un cours des comptes et autres. Ou bien il y a des conditions de diplôme et des conditions d'excellence professionnelle. Et qui fait que, et si un jeune très brillant, c'est la grande carrière est rapide. Et sinon, bon, c'est juste une condition d'excellence professionnelle et de diplôme qui est posée pour l'autre position. Mais si c'est pour l'âge où un monde qui est brillant est capable de faire carrière rapide dans la structure de l'État. Non mais vous fonction élective là, à 25 ans, vous n'avez qu'à magistrat, kazek, magistrat, député, qui ça? Est-ce que même président là-dedans, c'est un thème? Non, président pas là-dedans. Président, c'est une force à responsabilité. Donc, il veut que ça passe de 40 ans ou 35 ans, donc il n'est pas là-dedans. Mais après ça, pour débuter 25 ans, il est capable? Il y a une fonction, l'autre fonction créée au niveau départemental, au bon conseil départemental. Et départemental, au fond, se parle de l'articulation entre politique nationale et politique développement local. Et donc, si nous besoin de développer départemental, il faut que nous ramener le social au niveau départemental. Donc, et là, il y a trois membres là dans l'exécutif là. Donc, il y a que sénateur, on sort de reconversion au niveau départemental. Rapport final là pour nous arriver à l'exécutif là, qui est là, toujours qu'un bébé, même fin mois février? Oui, le 26. Le 26. Février, mais le public là bien pour réagir. Et parce que il parle de toutes les réseaux sociaux, il parle sous CIMAC et CCI avant projet de la nouvelle constitution et après Bulgain, dans une heure ou deux. Après, le public là a bien pour, tant pour réagir jusqu'au 22. Jusqu'au 22 février. Donc, du 22 jusqu'au 25, ça parle traitement. De toute façon, au fur et à mesure, on a fait traitement, on a fait correction. Et puis, le 26, nous remettons le texte. Si en 1987, là, pas de problème avec l'âge 25 ans pour le monde qui participait aux fonctions électives. Parce que pour être maire et député, c'était à partir de 25 ans. Maintenant, pour être sénateur de la République, il fallait avoir 30 ans. Et pour être président de la République, fallait avoir 35 ans. Maintenant, si vous avez baissé l'âge de l'éligibilité à toute fonction élective à 25 ans, bon, je dirais que ce serait une bonne chose. Mais bon côté, pas moi-même en tant que secrétaire d'État, mais bien avant d'être secrétaire d'État, c'est-à-dire moi-même en tant que citoyen haïtien engagé, ça a des années, mais vraiment des années, nous sommes engagés dans nos batailles pour que nous sommes exigés en Haïti que vous fassiez l'abaissement de l'âge de l'éligibilité en Haïti. Et c'est un plaidoyer qui était écrit dans ce sens-là, côté que on a l'autre jeune très connu de la place qui fait chemin, qui c'est Woody Stone Le Pen. Moi-même, avec nous sommes battus un bon parti dans le pays, dans faire sensibilisation, et dans encourager que les jeunes comprennent la nécessité que eux-mêmes,
présenter dans les activités électorales, particulièrement être candidat, etc. Maintenant, à nous dire, c'est un très bon pas dans la bonne direction, mais jusqu'à cette présente minute, à mon avis, je pense que l'agent monde capable de jouer de droits civils ou politiques, je ne pense pas que tu as supposé des restrictions sur droit politique. Je pense que aussi bien que à 18 ans, on atteint l'âge de la majorité, il est capable de voter, donc il est capable de permettre qu'on soit élu aux élections. Je pense que faut que tu as créé les conditions pour que aussi bien que mon est capable de voter, il est capable de lui-même quand tu as à partir de 18 ans, même j'en sais fait dans pile pays, il ne pas mettre trop de restrictions sur l'âge qu'on est capable de partir aux élections et à tous les niveaux. En tout cas, c'est par rapport avec Haïti, je pense que c'est un très bon pas dans la bonne direction. Capable bien d'autres raisons qui expliquent qui fait que le conseil ou comité consultatif n'a pas arrivé à baisser l'âge là jusqu'à temps. Mais nous-mêmes, ça cap satisfait nous comme monde, comme militants de la cause de la jeunesse haïtienne. Et je dis à comme secrétaire d'État à la jeunesse, mon cher, c'est vraiment un bagage côté que il y a vraiment une large participation possible pour que monde qui est capable de droit civil et politique, de la mesure où il répond à un ensemble de critères qui vous fait que l'éligible, qui vous fait que l'habilité à supporter candidat, et bien pour moi, ça n'a pas gagné aucune restriction et par rapport avec un barrière l'âge, justement pour porter le candidat à des postes électifs. Maintenant, c'est qui genre sensibilisation pour gagner plus jeunes et qui viennent participer, qui engager dans de bataille pour arriver rempli de fonctions électives, ça a son lot combat. Ça lui même, il peut aller de soi, il peut aller de façon automatique. Parce que tout bagaille, c'est des combats que vous avez. Jeunes à travers le pays, parce que je dis à eux de plus en plus motivés. C'est pas je dis à seulement, depuis toujours, la jeunesse haïtienne est toujours motivée, c'est toujours au cœur de tout grand moment que pays ça lui-même lui traversé, depuis l'indépendance jusqu'à moment où on a parlé là. Moi, parce que ça qui est surtout important, je dis à c'est la question qu'il y a avec la formation citoyenne, ouais, parce que l'éducation civique peuple a faut le faire. Faut que l'éducation mounio fait tout sur le plan moral, parce que c'est pas une question d'âge. Aussi bien à 18 ans qu'à 60 ans ou 70 ans, on monde capable pas prêt pour les remplir en fonction élective. Ouais, c'est pas une question d'âge, mais cependant, nous-mêmes, comme nous pour le en plus large participation possible, nous-mêmes nous croyons que les restrictions qu'il y a avec question l'âge, question sexe, question handicap, dans la mesure où c'est pas un handicap psychologique, c'est pas un handicap et moral dans le sens d'adile, eh bien, n'importe qui citoyen, dans la mesure où on est prêt pour que les deux pays aillent accompagner les pays dans dynamique, changement et développement, nous pensons que faut que la loi ait une chance pour être capable de présenter nos élections, mener une campagne et à partir d'un programme et éventuellement et accéder à des fonctions électives et qui habilite à prendre des responsabilités au nom de l'État. Moi, je pense que la jeunesse, je dis à ce pays, c'est quand même, on a parlé de plus de 60% de la population. Donc, je dis à six mondes qui. Quelque soit la décision qu'on prend aujourd'hui dans le pays, que ce soit en termes de développement, en termes de changement, en termes de nouvelles perspectives, le principal bénéfice de toute bonne décision, c'est les jeunes. Le principal monde qui est victime de décision qu'on prend, si on ne prend pas dans le bon sens, c'est encore les jeunes. Donc, si on parle de la majorité nationale, je ne pense pas que tout ça est aujourd'hui comme acquis. Et oui, c'est une bonne chose, mais. Et j'aime Julia, c'est un bagage qui a regardé de façon automatique pour que acquis ça ait conservé et que nous allions vers d'autres acquis qui sont bien importants, déboucher même sous table sur une politique nationale de jeunesse, que bon côté PAM était en cap justement pour travailler sur lui, pour proposer à ce pays, avant mon départ en tant que secrétaire d'État, en politique nationale de jeunesse, que je connais tout, quelque part, le président de la République la tient à lui-même parce que son frère extrêmement important. Donc, nous pensons que le changement de pays, c'est pas un bagage qui a fait un claquement de doigts, c'est pas un bagage qui a fait du jour au lendemain, c'est un bagage de longue haleine, son long processus. Et processus, ça demande un pile d'expérience, il demande un pile recul, et il demande un pile monde tout qui a le sens de l'histoire et qui a une bonne connaissance des hommes et des choses de ce pays. Donc, à dire que son grande perte pour le pays, et puis moi-même, Victor Benoît, j'ai perdu non seulement un frère de combat, j'ai perdu, n'est-ce pas, un ami. Le capable de dire que j'ai plusieurs étapes dans la vie, c'est que je me connais. Tout d'abord, là que j'étais lycée Pétion, j'étais quelques années en plus,
de la fait philo, moi m'en fait quatrième, secondaire, ça donc il est 9e année fondamentale première. Et bon, et ça c'était nos aînés, les mêmes, des obéliseurs et autres. Mon bio, c'est au même génération ça qui fait grève 60 ans, la première grève qui avait secoué le régime de François Duvalier. Donc là, nous même noté Thibault, on a porté trac à la guerre de la police, etc. Il y a même eu sur le cap de l'orientation. Bon, je suis vite parti après, les bénéficiaires de bourse comme moniteur sportif. Et parce qu'après philologie, c'était qu'on l'école pour ça, l'État dans l'école ça, mais le groupe pour la France, c'est les livres en France. Bon, les ça été livré corps et âme à la lutte politique, ça l'a conduit au Canada, ça l'a conduit à Cuba, en République dominicaine, à ce moment-là, l'été dans la logique, fait guérilla pour renverser le régime de Duvalier. Après ça, il est retourné en France encore, et puis là, ça lui adopté le socialisme démocratique, hein, n'est pas un projet communiste, c'est un projet socialiste démocratique, hein, mon cas pour les droits de l'homme, pour justice sociale, et pour la démocratie politique. Développer les meilleures relations avec le Parti socialiste français au plus haut niveau, au niveau de François Mitterrand, de sa femme, Danielle Mitterrand, et les tissé de bonnes relations avec direction PSA, Parti PSA. Il a même travaillé pour la tenue du congrès d'Épinay, le congrès a donné naissance au Parti socialiste français. Bon, monsieur, les servait avec tout le monde et ça, David, bon, directeur Simad, c'est un centre de réfugiés qui était aidé tout le monde, quel que soit le pays où sorti, où il va en France, et quelle que soit la couleur, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, et Simad était là pour un service, pour aider. Et réfugiés, on prend des réfugiés politiques, on prend dans une large mesure. Là, pendant que M. Simad, il continue à travailler, et contre la dictature de Duvalier, quand il s'est dans le moment ça, et que moi-même, pendant que New York, en 85, en exil, nous avons des bonnes relations, hein, nous avons des bonnes relations politiques, c'est-à-dire Libem, Bazin, Ndakadi, Père Adrien, Enzer Dieu du Canada, etc., différents, Paul Dédé en Belgique, bon, nous formons un circulaire, on a fait échanger des formations, donc on travaille pour nous gommer contre la dictature. Après 86, nous sommes réussis, nous créé le propre bras, hein, et puis nous avons des contributions à la lutte, et tous les, moi-même avec Lib, des Dakonacom, Lib a buté le propre bras, nous, créé ensemble le groupe 57 qui tape Goubet pour le respect de la Constitution. Il faut dire que lui-même avec moi et puis d'autres pour nous, des gens bélisaires, d'Acadie Sénatus et autres, et d'autres professeurs Marcel Gilbert, et pour des faux, et M. Jacques Honorat pour tape Goubet, pour tape Goubet pour la Constitution. Pour tape Goubet pour la Constitution, pour faire des peuples à voter la Constitution le 29 mars 1987. Alors, nous avons fait le bon combat. Après ça, nous venons de rencontrer dans d'autres moments de la lutte, hein, notamment nous faire espace de concertation, nous étions très critiques vis-à-vis du régime militaire au pouvoir à l'époque. Et puis, nous avons venu de la convergence démocratique, côté notre face expérience et la valence là, pendant de l'année 2000, le mandat avec l'élection année 2000. Et puis, nous, jusqu'à ce que, avec moi et d'autres personnes, on s'est trouvé fondateur de la fusion des sociodémocrates haïtiens. Bien que certaines raisons, nous quittons fusion, de propos délibérés, mais créons l'autre parti de l'Assemblement social-démocrate, RSD. Même Dakadil, c'est avec moi de conserver les meilleures relations, parce que l'univers avec moi, nous avons pour un commun, c'est-à-dire c'est le côté humaniste, et nous voyons d'abord l'homme, et bien sûr, nous sommes attachés à notre idéologie, étant donné que donc, ces idéologies-là, c'est-à-dire qui guident dans la social-démocratie, ça nous a permis de rester des copains, malgré, n'est-ce pas, nous pas le même parti politique. Alors, mon cadeau est que M. Frappé-Bré, par son sens de solidarité, hein, c'est pas mal une facile en Haïti de la classe politique, parce que Haïti fait politique avec vous, mais lorsque vous avez été arrivé haut, vous avez eu un malheur ou accident arrivé haut dans la lutte, vous n'avez pas connu. D'accord? Et bien sûr, je crois bien que l'homme dérivé en exil aux États-Unis en 1984, toujours à 2h du matin, M. Rélebré pour les offrir moi à l'Université de France, pour dire que le Paris caille pour moi, madame moi, petite moi pour le premier de France, parce que le débré pour la joubaine et à peu près au degré d'approcher sur 50 ans à l'époque. C'est-à-dire, mon cher, il est difficile pour des poids recommencer à New York. Bien sûr, accepter et aller en France là, de préférer être à New York parce que c'était plus proche pour Port-au-Prince. On était qu'à continuer à gouverner. Et bien, notez qu'il était fait ça. Et puis, quel que soit, il s'intéressait beaucoup aux petites gens. Justice sociale, là, c'est pas trop 20 mots qu'il était pour lui. Il n'y a pas de café sur grande échelle. Mais il était essayé à travers une fondation qu'il était créée, Fonjap, au centre de ONG, qui était aidé des petites gens dans plusieurs
localités, dans plusieurs points dans le pays, dans le sud, dans la zone de Vieux Boulak, dans la zone de Akin, dans le plateau central, dans la zone de Balais, etc. Et bah, ça depuis le côté que monsieur aidé, jeune capable, mais surtout, c'est sa détermination dans la lutte, son intelligence politique, etc. Donc, on pense que le pays a perdu un pile avec un bout de force qui allait. Monsieur ce combattant démocrate, combattant politique, pour les tirer un pile de conviction, un pile de détermination, depuis qu'il consacrait toute vie à la lutte. Depuis environ les 5 dernières années, monsieur était un tireur détaché parce qu'il était un problème au niveau colonne vertébrale, parce que Pabli en 90, au début de 90, et il était fait une la caille d'irruption, de la médaille qui l'a caillé, et puis te battre en pile. On peut monter sur les pilotes dédiés avec botte, point de balle coup de fusil, etc. Il a arrêté les, et puis on voyait les sous-pressions, internationales, et puis on te voyait monsieur, ils ont pratiquement dit que c'est là qu'on voyait la France, d'accord? Donc moi, c'est que, bah, ça, mon fait réponse, on devrait quitter des séquelles la caille. Moi, c'est une hypothèse, moi, pas médecin, mais hypothèse, moi, comme tout le temps, tu vas souffrir de doigts. On peut penser que, bah, ça, dans la maladie qui portait M. Ali. Mais je ne parle pas de manière spécifique qui diagnostique que le docteur a posé au dernier moment. C'est que le docteur a que M. a baissé, l'a baissé. Moi-même, personnellement, ça va faire mon pile. Étant donné que c'est son figure et social-démocrate, de ses membres de l'international, soit lycée, même bien avec moi. Et donc, personnellement, forme de vous, c'est le président de mon parti, au moins, de mon qui président Charles Patia, il crée les mots. Et à coup sur les paris, même relation que lui avec Serge là, au moins, il est beaucoup plus jeune que nous. Mais monsieur, il est douce, il est débauché, mais bon, son bureau est tombé, etc. Et bien qu'il il dit recevoir ce question, et que nous, pour une prochaine soirée. Donc, ça fait nous mal au pile. Parce que nous, même si pays à loin, par-delà, les clivages de parti, au moins, dû à cette différence d'analyse politique, mais nous partageons les mêmes valeurs. Donc, ça fait nous mal au pile. OK? Et grosse série de camarades, personnellement, qui nous connaissent depuis le Téguépop Bras, premier parti, c'est écrit en Haïti, et que nous connaissons également nos fusions, ce sont des camarades respectables, en bonne, qui dit de respect. D'accord? Donc, nous pensons que le pays a fait une belle perte. Et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.